Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de novembre qui sont au nombre de 6-7. Il y a une lecture, je sais pas trop si ça compte comme un livre à part entière. Ces lectures elles sont juste là. Et dans le lot, vous savez, il y a une relecture d'une certaine saga dont j'arrête pas de vous saouler depuis quelques semaines. Mais avant d'avoir lu cette saga, j'ai commencé mon mois de novembre avec un livre que je ne possède plus puisque je l'avais trouvé dans une boîte à lire. Je l'ai lu, je l'ai remis dans la boîte à lire. Il s'agit du Crime du Comte Neuville par Amélie Nothomb, publié chez Albin Michel. Dans cette histoire, on va retrouver le comte Neuville qui va apprendre de la bouche d'une voyante que lors de sa future réception, il va tuer un de ses invités. Forcément, le comte Neuville va être totalement angoissé parce que c'est pas un tueur dans l'âme et il va se demander comment il va en arriver à tuer un de ses invités, comment il va en arriver à tuer une personne. Et plus les jours vont passer, plus il va angoisser et en arriver même à se demander s'il ne doit pas préméditer son meurtre et choisir d'avance quel est l'invité qu'il va tuer, comment il va le tuer pour que ça soit plus facile entre guillemets. Sauf qu'évidemment c'est pas facile du tout, quelle personne doit mourir? Amélie Nothomb c'est une des autrices de mon adolescence, j'arrêtais pas de lire ses romans autobiographiques ou c'est qu'elle se racontait au Japon, je trouvais ça super bien. Mais c'est vrai que pour ses romans fictionnels, ils m'ont jamais réellement attirée, donc là le fait d'en trouver un gratuitement dans une boîte à lire, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai laissé ma chance à celui-ci qui est une lecture qui a été assez agréable. Franchement, ça se lit très très bien, je crois que je l'ai lu en une heure, donc autant vous dire que vous perdez pas votre temps avec ce livre, parce que franchement, ça dure pas longtemps. Voilà, hein. En plus, on est plutôt happé, je trouve, dans cette lecture, on a envie de connaître finalement le fin mot, de voir à quoi le tout va résulter. De mon côté, je vous avoue que ça a fait comme un soufflet en fait, c'est-à-dire que mon intérêt a vraiment grandi comme ça au fur et à mesure de ma lecture, et malheureusement, au moment de la révélation finale, alors je pense que pour certains lecteurs ça sera une fin vraiment géniale, la fin parfaite pour le bouquin. Moi j'avoue que en lisant ce livre, quand je suis arrivée à cette fin, je me suis dit sérieux, tout ça pour ça. J'ai pas passé un mauvais moment de lecture vraiment, hein. Comme je vous disais, ça se lit très très bien, très très vite, donc même si finalement je suis assez sceptique sur la fin, j'ai pas cette impression d'avoir perdu mon temps, mais c'est vrai que cette fin, je m'attendais à mieux. Ensuite j'ai lu un manga, le tome 6 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura par Clamp, publié chez Pika Edition. C'est la suite des aventures de Sakura, on y retrouve Sakura quelques mois après les aventures du premier arc, il lui arrive quelque chose d'assez bizarre puisque ses cartes deviennent transparentes. Et en plus de ça, il y a plein de nouveaux événements magiques qui surviennent et du coup elle doit intervenir. Là on en est donc au tome 6, c'est une saga qui vaut le coup que vous la lisiez parce que depuis le premier tome, je me régale. J'ai toujours adoré Sakura depuis que je suis gamine, vraiment toute petite. Et là, avoir une suite c'est déjà tellement bien, mais alors ce tome 6... Oh là 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 là, il était génial, il était vraiment vraiment génial parce que bourré de révélations, on a enfin des réponses. Alors bien sûr, Clamp s'arrange pour que on ait plein de réponses mais aussi plein de nouvelles questions, mais on avance dans cette histoire et ça fait du bien d'avoir quelques pistes et ça nous rend encore plus curieux pour la suite. Enfin moi je me suis vraiment régalée avec ce tome 6, pour moi c'est un tome qui est juste trop trop bien, donc très très contente de cette sortie, j'ai hâte de lire le tome 7. C'est très très long avec la sortie des tomes de Sakura, mais honnêtement ça vaut le coup. Ensuite j'ai enchaîné avec L'île aux mensonges par Frances Harding, je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça, publié chez Gallimard Jeunesse. On y retrouve le personnage de Faith qui, avec sa famille, va débarquer sur une île. Elle va rapidement comprendre qu'en fait ses parents se sont exilés puisque son père, un naturaliste, a été accusé de tromperie. Sauf que Faith, elle sait très bien que son père c'est un homme droit, donc jamais il aurait pu tromper son monde. Donc elle a très très envie de découvrir ce qui a bien pu se passer. Pourquoi est-ce que son père a été accusé? C'est un livre que j'ai adoré. Mais alors, vraiment, déjà j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, enfin surtout la façon dont elle avait de raconter son histoire, ce qui fait que j'ai très très envie de lire d'autres livres d'elle parce que je trouve qu'elle a un don vraiment pour raconter ses histoires et que c'était vraiment très très agréable à lire.
Ensuite, j'ai beaucoup aimé le personnage de Faith, parce que Faith, c'est une jeune fille de 14 ans. Et au début du livre, c'est ce personnage qui est totalement écrasé par une mère qui a énormément de caractère. Et puis en plus, on est dans les années 1800, donc la place de la femme est pas forcément la même. Et on n'attend pas de Faith réellement qu'elle puisse s'imposer. On n'attend pas ça d'une femme à cette époque, et surtout d'une jeune fille de 14 ans. Donc au début du livre, Faith, c'est ce personnage qui s'écrase, mais qui est très intelligente, donc elle a quand même envie de comprendre un peu tout ce qui l'entoure, de pas non plus trop se laisser faire. Et petit à petit, au fur et à mesure du livre, on voit ce personnage qui se développe, qui essaye de comprendre les mystères qui l'entourent, qui cherche à avoir des réponses, et c'est juste tellement, tellement intéressant de voir ce personnage qui s'affirme petit à petit, qui petit à petit prend de l'ampleur, et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé voir ce personnage comme ça, son évolution. L'histoire en elle-même aussi m'a beaucoup plu, tout ce qui se passe finalement, tout ce mystère, j'ai trouvé ça hyper original parce que j'avais jamais vu en fait quelque chose de similaire ailleurs, donc pour le coup ça m'a vraiment surprise et ouais, j'ai beaucoup apprécié, vraiment ça a été une très très chouette lecture. Ensuite est arrivée la relecture de La Passe-Miroir, avec ici le premier tome, Les fiancées de l'hiver, par Christelle Labosse, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est une relecture que j'avais vraiment très envie de faire, c'est d'ailleurs pour ça que mon Pumpkin Autumn Challenge, je me suis arrangée de sorte à le terminer fin octobre, parce que j'avais vraiment envie que la plupart de mon mois de novembre soit consacré à cette saga. Parce que j'avais très envie de pouvoir enfin la relire, pour être prête pour le tome 4, pour vraiment enchaîner et tout comprendre en fait, relire toute cette saga d'un coup et la terminer et vraiment être dans les meilleures dispositions possibles. C'est une saga qui est quand même super complexe, il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de personnages, il faut se rappeler tout et c'est vrai que moi ce premier tome je l'avais lu en 2016 donc entre temps j'ai lu beaucoup d'autres livres et forcément je pouvais pas me rappeler de tout. Donc la relecture était franchement la bienvenue. Petit résumé rapide de cette saga, la terre est en morceaux et ces morceaux ce sont des arches et sur un de ces arches vit Ophélie qui est une liseuse, c'est-à-dire que lorsqu'elle touche un objet elle est capable de connaître le passé de cet objet, les personnes qui ont approché cet objet, tout ce qui s'est passé autour de cet objet. Et c'est également une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle est capable de voyager à travers les miroirs. Ophélie va se retrouver fiancée à un homme qu'elle ne connaît pas, qui s'appelle Thorn et qui vit sur un arche totalement opposé au sien d'un point de vue kilométrique mais aussi d'un point de vue mentalité, parce que la vie au pôle, là où vit Thorn, c'est pas joyeux, c'est pas gai, enfin il se passe vraiment plein de choses, complots, machinations, il n'y fait pas bon vivre et pourtant Ophélie va devoir accompagner Thorn au pôle, la petite vénarde. Comme d'habitude, je ne suis pas douée avec les résumés, mais franchement cette saga en vaut la peine, vraiment elle est incroyable. En ce qui concerne ce premier tome, comme d'ailleurs tous les tomes de la saga, il y a deux parties dans chaque livre, et j'ai trouvé la première partie assez introductive. Je m'en rappelais pas honnêtement parce que c'est vrai que lors de ma première lecture de la saga en 2016, en l'espace de 72 heures, j'avais lu les deux premiers tomes. Voilà, je les ai vraiment bouffés. Du coup, ce premier tome, je l'avais vraiment enchaîné. J'avais moins ressenti du coup ce côté assez introductif du début du livre. Et finalement, j'appréciais hein, ce que je lisais, il n'y avait aucun doute, mais j'ai vraiment encore plus apprécié au moment de la partie 2 avec la cite à ciel, avec Mime, parce que je trouvais qu'il se passait encore plus de choses et que ça devenait vraiment vraiment très très intéressant à ce moment-là. Finalement, ce premier tome, avec un peu de recul, je le trouve assez introductif sur cet univers, mais franchement, je trouve que Christelle Dabos arrive tellement bien à retransmettre les émotions d'Ophélie. Enfin, on se les prend en pleine face, on ressent les mêmes choses qu'elle, je trouve. Et tout ce qu'elle vit, enfin, il y a vraiment quand même pas mal d'aventures. Donc, du coup, c'est un bon mix, je trouve. C'est le tome introductif, mais en même temps, tu découvres petit à petit l'univers et il se passe tellement de choses que finalement, tu t'ennuies pas non plus. Et ouais, j'aime beaucoup ce premier tome, mais c'est pas mon préféré. Mon tome préféré, ou en tout cas un de mes tomes préférés de la saga, c'est sans doute le tome 2, Les Disparus du Clair de Lune, que j'ai enchaîné après le tome 1, et qui est un tome que j'ai toujours trouvé génial, même à ma première lecture, c'était vraiment mon préféré. Je l'aime beaucoup parce qu'il est tellement riche en aventures en fait, il n'y a pas de côté vraiment très introductif, je trouve que les deux parties du livre sont vraiment très très riches en aventures, il se passe beaucoup d'événements, et en plus de ça, il y a beaucoup de révélations et ça c'est juste tellement bien parce que on découvre
vraiment plein de choses sur cet univers et on tombe un peu sur les fesses en fait, parce que je pense que quand on lit le tome 1, on s'attend pas forcément à tout ça, et là arrive le tome 2 avec tout ce qui s'y passe. Franchement, c'est quand même de la petite bombe, hein. Ce tome 2, ouf, c'est du lourd, c'est du costaud. Moi j'ai vraiment adoré cette relecture. Suite à ça, j'ai enchaîné avec le tome 3, La mémoire de Babel, et c'est un tome que j'ai beaucoup plus apprécié avec cette relecture que lors de ma première lecture. Je pense que je l'explique parce que lors de ma première lecture, ça faisait plus d'un an que j'avais lu les deux premiers tomes, c'était fin 2017, et du temps avait passé et franchement j'avais plus tout en tête. Là, le fait d'enchaîner les trois tomes, ça m'a vraiment remis tout en contexte, et c'était encore mieux je trouve pour apprécier cette saga, pour apprécier cette lecture, parce que je pense que cette saga c'est vraiment ça, faut pas trop laisser espacer les tomes les uns des autres, parce que sinon on oublie des choses et on apprécie peut-être un peu moins ce qu'on lit, parce qu'on comprend peut-être aussi un peu moins tout ce qui s'y passe. Il y a des choses qui nous font peut-être un petit peu moins tilt, alors que quand on fait une relecture et qu'on les enchaîne, tout s'explique. Ce troisième tome, je l'avais beaucoup aimé hein, quand même lors de ma première lecture, je vous rassure. La première partie, je l'ai trouvée introductive, un petit peu comme pour le premier tome, peut-être un petit peu plus riche quand même en événements, en aventures. Donc ça m'a quand même bien intéressée, c'était quand même très très sympa de découvrir Babel, découvrir un autre arche. Mais arrivé à la partie 2, on retrouve, vous savez qui? Non, pas Voldemort. Et quand même... voilà, hein, j'ai encore plus aimé à partir de ce moment-là, forcément. Et ouais, encore plus de révélations dans ce tome, mais on sent que c'est vraiment un tome de transition par rapport au tome final, en fait. Et du coup, c'est un tome qui est assez intéressant parce qu'il nous ouvre certaines pistes sur la suite. Et puis, quand même, à noter la beauté de certains dialogues entre Ophélie et Thorne. Non mais franchement, je me rappelais pas que c'était... comme ça, à ce point-là, en fait, lors de ma première lecture. Je pense que ça m'avait marqué sur le moment, et peut-être qu'après, le temps m'avait un petit peu fait oublier ce genre de choses, et c'est là où je suis vraiment contente d'avoir relu cette saga, parce que il y a des moments qui sont juste super beaux dans ce tome, franchement. Ouais. Bon, par contre, hein, autant vous dire que j'avais absolument pas oublié la toute fin du livre. Hein. Ça, par contre, j'avais vraiment pas zappé. Suite à ça, j'ai enchaîné avec la lecture du livret collector, donc c'est en coulisses, voilà. Tout simplement. C'est un petit livret qu'on obtenait en précommandant le tome 4 dans certaines librairies participantes à l'opération. C'est un petit livret que j'ai trouvé très très chouette. Voilà, on a des fiches personnages. Donc ces fiches, on les retrouve aussi au début du tome 4. Mais là, il y a des petits dessins en plus. Et puis on a le début du tome 4 et on a aussi des croquis, des illustrations faites par l'illustrateur en fait, qui s'occupe des couvertures de la saga. Donc voilà, je trouve que c'est un bon petit bonus, c'était le bon petit livret à lire avant d'attaquer le tome 4. Et voilà pour mon mois de novembre, je vous avoue qu'évidemment j'ai pensé après vous chroniquer le tome 4, sauf que je l'ai lu au mois de décembre et que comme je fais des bilans mensuels, bah ça rentrait pas dans mes lectures du mois de novembre. Et de toute façon je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal d'attendre et de vous le chroniquer vraiment dans la prochaine vidéo lecture, parce que à ce moment-là on sera au mois de janvier, ce tome 4... vous allez peut-être le recevoir à Noël, ou en tout cas vous l'avez peut-être pas encore déjà lu, donc au moins en janvier, il y aura plus de chances pour qu'au moment où je chronique le livre, ben vous puissiez interagir et me dire ce que vous aussi vous en avez pensé, parce que vous serez plus nombreux à l'avoir lu tout simplement. Cette vidéo est désormais terminée, je vous souhaite de passer un très bon Noël avec les personnes que vous aimez, et nous on se retrouve dans quelques jours sur la chaîne avec une nouvelle vidéo.